Bonjour, je m'appelle Anna, je suis la créatrice de Colibri & Co, une marque d'accessoires et de papeterie. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une frise pour décorer une étagère murale. Donc, pour réaliser cette frise, nous avons besoin de petits napperons en papier blanc ajouré que l'on trouve dans les grandes surfaces, d'une feuille de papier avec un petit motif coloré. Ici, nous avons choisi des pois. De la colle en bâton, d'un feutre rouge ou d'un stylo rouge pour venir faire des finitions et d'une paire de ciseaux spécial papier. Et pour accrocher la frise, nous allons utiliser du scotch double face que l'on trouve facilement en grande surface ou en papeterie. La première étape pour réaliser notre frise, nous allons découper le cœur des napperons dont on va se servir ensuite comme gabarit. Étape suivante, nous posons notre gabarit sur l'envers du papier et l'on reporte la forme au crayon. Nous allons maintenant découper la forme de notre gabarit en suivant la forme arrondie du cœur du napperon. Étape suivante, nous allons coller le cœur sur le napperon. Donc pour cela, on utilise de la colle en bâton. Et ensuite, on vient positionner le centre en insistant bien sur les bords pour qu'ils adhèrent. On peut ensuite apporter une petite touche de couleur en finition avec un feutre rouge. On vient reprendre des petits détails comme des perles rouges sur la bordure, par exemple, du napperon. On réalise de cette manière plusieurs napperons à pois. Ici, nous avons fait 4 qui correspondent à la longueur de notre étagère. Et maintenant, nous allons les couper en deux. On répète l'opération pour obtenir autant de demi-cercles nécessaires pour pouvoir recouvrir la longueur de l'étagère. Une fois qu'on a obtenu suffisamment de demi-cercles de napperons, on va positionner le scotch double face sur l'envers. Donc je vous conseille de le positionner sur la partie non ajourée, de façon à ce que le scotch ne passe pas à travers. Donc on les positionne au ras de l'arête supérieure de l'étagère, en les mettant côte à côte à la queue leu-leu. Voilà, notre frise est maintenant terminée et placée sur l'étagère. C'est un effet décoratif très efficace, idéal pour décorer une chambre d'enfant, de petite fille. Et ça crée une décoration éphémère, facile à renouveler et vraiment peu chère.